dans la jeunesse en particulier, parce que ce qui va se passer le 7 octobre, comme je l'ai dit, c'est votre avenir qui se joue le 7 octobre, c'est pas le mien. C'est votre avenir qui se joue le 7 octobre. Et la question c'est, est-ce que nous allons saisir cette chance et cette occasion historique de bâtir, d'être les artisans de notre propre avenir, de mettre sur les rails le pays, pour lui donner l'orientation. Et de vous voir aussi nombreux ici me fait un grand plaisir. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, la tâche notamment effectivement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, parce que je sais que le niveau des attaques que nous subissons est sans précédent dans l'histoire. C'est vrai, exactement. Exactement. Et comme je disais tout à l'heure, ceux qui feront les recherches sur cette période de l'histoire de notre pays seront étonnés, se poseront les questions, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la bombe atomique qu'on lâche sur Hiroshima. Oui, non, c'est vraiment de cet ordre. Mais vous devez rester confiant parce que je reviens toujours à ce proverbe bien africain qui dit on ne jette la pierre qu'à un arbre qui porte des fruits. Si on nous a ciblés de façon aussi brutale et systématique depuis notamment que vous m'avez fait l'honneur d'investir ma candidature comme porte-flambeau de notre parti les 14, 15 et 16 avril dernier, ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas dupes. Et c'est parce qu'ils ne sont pas dupes qu'ils veulent brouiller complètement à la fois notre message et brouiller, j'allais dire, l'image de votre candidat dans l'opinion. Et c'est à vous, et je vous fais confiance, de trouver l'intelligence nécessaire pour donner la bonne réponse, la bonne réponse. Et de ne jamais jouer sur le terrain de l'adversaire. C'est ce que je voudrais. Si j'ai un petit message à vous, ne jouez jamais sur le terrain de l'adversaire, jouez toujours sur votre propre terrain. Soit vous l'amenez à jouer sur le vôtre, soit vous le laissez jouer sur le sien et vous jouez sur le vôtre. Dès lors que vous jouez sur son terrain, il vous bat. Puisque il sait pourquoi. Il vous y a amené là-bas. Voilà. Ouais. Mais si, soit vous l'amenez à jouer sur votre terrain, et l'amener à jouer sur votre terrain, pour nous c'est quoi? C'est d'expliquer aux Camerounais le programme extraordinaire que nous avons. Peut-être que vous ne le savez pas. Le programme politique que nous avons a été élaboré en plus avec la contribution extraordinaire des Camerounais qui ne sont pas du MRC, aussi bien nationaux que de la diaspora. Pas plus tard qu'hier, je recevais encore des papiers alors que nous avons pratiquement bouclé le programme depuis. Des papiers qui me donnaient encore, des idées, notamment en matière dans le domaine de l'énergie et autres. Donc, ça veut dire que les Camerounais croient en nous et croient en notre programme. Mais je vous dis, des gens qui ne sont pas militants du MRC. Donc, expliquez-leur. Le programme officiel vous sera communiqué parce qu'il est quand même différent de notre projet de société. On parle du projet de société, mais on l'a étoffé et décliné en programme, en chantier. C'est-à-dire, donc, c'est des chantiers, c'est ce que nous allons mettre en œuvre. Et je veux vous dire, mes chers camarades, soyez confiants. Pourquoi? Parce que je crois que nous sommes peut-être le seul parti au Cameroun qui, si on le met au pouvoir, sait ce qu'il va faire dès le lendemain. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va arriver, qu'on va commencer à se dire, on fait comment. Je vous assure, nous avons un programme bien étudié, réalisable. Donc, ça, c'est la première chose sur le plan du programme. Le deuxième, c'est que vous avez un bon porte-flambeau. Fendez-le. Non, non. On a confiance, on a confiance, on a confiance. On sait. Vous avez un bon porte-flambeau. Vous ne devez pas rougir. On ne doute parce pas que ça. Souvent, nous mettons notre drapeau dans la poche, mais il n'y en a pas deux sur la scène. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux, président. Ils sont jaloux. On sait. Et après ça, travailler pour que nous reprenions notre pays, qu'on le mette sur de bons rails. Mon objectif, et les gens de ma génération, c'est d'essuyer. J'allais dire, excusez-moi le terme, mais comme vous enregistrez pas, utilisez le terme. J'allais dire, on a fait partout, donc il faut que nous nettoyons. Oui. Donc, c'est vraiment ça, on veut remettre le pays sur de bons rails et vous donner. Parce que si quelqu'un vous dit que dans 15 ans, je peux encore faire quoi, c'est qu'il ment. J'espère que je ne serai pas mort, mais je ne peux pas être en train de courir, monter et descendre comme je le fais aujourd'hui. Donc, il faut que vous compreniez que nous voulons mettre le vent et vous passer le témoin. Parce que ce pays est un pays de talent. Pour que qu'ensemble nous hissions le Cameroun au niveau où il mérite d'être. Donc, je vous fais confiance. Monsieur, président, les populations de l'Ouest vous attendent dans deux jours. Vous êtes déjà prêt pour les rencontrer? Je suis prêt pour rencontrer les populations de toutes les régions du Cameroun. Merci, président.
Merci.